Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à toutes les personnes qui sont à l'Assemblée. Un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent aussi sur Internet. On a toujours une pensée pour eux. Pour ces personnes qui n'ont pas pu se déplacer ce matin et venir dans notre Assemblée, eh bien, on vous accueille aussi d'une autre façon. Alors, je vous prie d'excuser l'absence de notre pasteur qui devait assurer la louange aujourd'hui, mais hélas, il est retenu encore à la Réunion, je crois, avec le Covid. Donc, il va passer quelques jours de vacances supplémentaires obligatoires. Mais on a une grosse pensée pour eux et on prie pour eux pour qu'ils puissent nous revenir promptement. Voilà. Qui vit, je
temps et l'éternité. Tu sais qui vit encore une fois. Pour ce temps et l'éternité. Tu sais qui vit. Je servirai d'autre Dieu.
je ne servirai d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre trésor. Voilà ce que mon cœur dit. L'Esprit divin pour me conduire toute ma vie. Je toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Elles vont bien nous voir. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Prenons conscience de ce que nous chantons ici. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice. Et parmi vous, il y en a quelques-uns déjà qui souhaitent déjà élever la voix. Ne vous privez pas de ce moment-là de prière qu'on vient de le chanter. Toute ma vie, j'offrirai un sacrifice de louange évidemment, mais aussi la prière en fait partie. Donc soyez libre de prier aussi comme vous le sentez. Je réveillerai
le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Quand de ta fidélité que tu déposes sur moi. Tous dans sa présence, on peut déjà la ressentir dans ces lieux. Notre Seigneur est là, il nous écoute, il prend plaisir. Restons dans sa présence, laissons-nous nous conduire. Devant toi humblement.
Thank you.
Si vous pouvez prendre place, on va passer aux annonces, Liliane, suivi de d'Anibal, qui va nous partager la parole aujourd'hui. Soyez bénis. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu.
te laisser conduire par le Saint-Esprit, rentrer dans les eaux profondes. Alléluia, que Dieu est bon. Est-ce que vous êtes reconnaissant ce matin, on va dire, aujourd'hui, d'être ensemble et de pouvoir rester dans la présence de Dieu? Alléluia, que Dieu est bon. Et j'avais à cœur de vous partager une parole. En tant que je me préparais pour le petit moment des annonces, j'avais une parole pour quelqu'un qui se base à Ésaïe 41:13. Et le Seigneur me disait, dis à quelqu'un, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis qui te fortifie. Je suis qui te dit, ne crains rien, car je viens à ton secours. Je te tiens de la main, mon fils, ma fille, et aucune opposition de l'ennemi ne pourra te faire du mal, parce que c'est moi qui te protège. Ma main te guide devant ces décisions que tu vas prendre. Ma main est sur toi pour te venir, pour fournir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses aller de l'avant. Seulement, dit le Seigneur, reste dans ma présence. Cherche ma face et je vais te conduire dans le lieu de bénédiction qui est préparé pour toi, parce que je t'aime. Le Seigneur te dit. Et oui, j'avais à cœur ça, ces paroles pour quelqu'un, et aussi de pouvoir lever tous ensemble une prière. Il y a un mot qui est en gros dans ma tête, et c'est le mot force. Tout le contraire de la fatigue. Et il semble que parmi nous, il y a certains qui se sentent fatigués. Fatigué non seulement dans les sphères physiques du corps, mais fatigué spirituellement et même émotionnellement. Et le Seigneur te dit aussi, aujourd'hui, je te prends de la main, je relève tes bras et je te donne la force pour que tu puisses persévérer, continuer de persévérer, prier devant moi, persévérer dans ma parole et persévérer dans ma présence. Le Seigneur va répondre parce qu'il a prévu une victoire, parce qu'il t'aime. Il est magnifique, ses projets sont grands, sont tous des biens pour chacun de vous, pour chacun de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et oui, Seigneur, c'est aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, déposer devant toi tous nos fardeaux. Comme dit ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, vous tous qui ne sentez plus de force, qui êtes peut-être fatigués d'attendre une réponse qui n'arrive pas, toi qui es fatigué, peut-être parce que tu vois les promesses que Dieu t'a faites et qui sont loin, qu'ils ne viennent pas à ta vie. Mais Seigneur, tu nous dis, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vous donne la force pour continuer le chemin, pour tenir les bras en haut et pour remporter la victoire. Seigneur, nous déposons nos fardeaux et tous ceux et celles qui se sentent fatigués aujourd'hui. Et même aussi, Seigneur, ceux qui sont dans une situation de maladie, aujourd'hui, nous voulons aussi les apporter devant ta présence. Ceux qui se sentent mal du corps, mais mal aussi de cœur, nous te les apportons, Seigneur. Nous t'apportons nos vies. Nous sommes devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, oui, de redonner les forces à celui qui est à bout. De redonner, Seigneur, les forces à celui qui se sent fatigué. Oh Dieu, et même il y a une personne, permettez-moi de vous dire, une personne, je ne sais pas si c'est dans la salle parmi nous ou c'est en ligne,
qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle de la part du médecin. Et le Seigneur le dit à ces personnes, l'homme a dit, a fait un décret, a dit quelque chose, que c'est difficile, que c'est presque la fin. Mais Dieu, il dit, je suis le Dieu de l'impossible. Et j'arrive toujours dans le bon moment, dans le moment exact. Je n'arrive ni avant, ni trop tard. J'arrive dans le moment exact. Et je fais toujours mon œuvre. Que le Seigneur soit glorifié sur chaque malade, sur chaque maladie, sur chaque personne qui se sent fatiguée ce soir. Au nom de Jésus, soyez fortifiés en lui. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Bon, gloire à Dieu. Bienvenue. Bon, Jérôme l'a fait tout à l'heure. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce soir, ceux qui sont là parmi nous par première fois, recevez nos salutations. Soyez bénis. Nous voulons aussi vous transmettre les salutations de nos chers pasteurs Serge et Fabienne. Ils ont eu, comme bien notre frère a dit, ils ont eu un empêchement pour les retours et ils ont dû décaler leur date pour retourner en France. Nous prions pour eux, pour qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient protégés par Dieu et qu'ils soient parmi nous le plus vite possible. Bientôt. Amen. Ils nous manquent. Ils nous ont remarqué. Transmettez nos salutations à l'Église. Alors, j'ai copié littéralement les SMS. Hein, elle a dit, ils ont dit toutes nos chaleureuses salutations à tous. On vous aime et on regrette de ne pas pouvoir être avec vous. Et après, plein de cœurs comme ça, de toutes les couleurs, plein de sourires pour chacun. Voilà, mais bon, nous savons qu'ils sont de tout cœur avec nous. Hein. Soyez bénis. Et que Dieu les bénisse. Concernant la vie interne de l'Église, nous voulons commencer pour faire un petit rappel par rapport aux gestes barrières. Parce qu'il semble que maintenant, on a entendu d'une septième vague COVID. Et voilà, nous voulons rester sages, nous voulons nous protéger les uns les autres. L'alcool, le baptême d'alcool, il est toujours au début. À votre choix, vous pouvez prendre un bain ou bien le boire. Non, c'est pour les mains, juste pour les mains. Pour cette semaine, nous avons mardi 7h30, comme d'habitude, Serge et Fabienne. Ils nous ont préparé un délicieux petit déjeuner, bien équilibré, bio, au cœur de la parole, l'espace de Spark Bible. Mercredi 19h30, nous avons la réunion de prière sur Zoom. Et puis dimanche prochain, 9h45, c'est notre prochaine célébration. Comme d'habitude. Seulement un petit changement par rapport à l'Assemblée générale, qu'elle a été reportée d'une semaine. Ça veut dire que ça aura lieu 10 juillet, toujours après le culte, mais ça sera 10 juillet. Et puis pour les conseils d'administration, ils auront leur rendez-vous le mardi 5 juillet à 19h. À 18h. D'accord, je rectifie. Voilà. D'accord. Le conseil d'administration, ils ont leur rendez-vous. Voilà. Voilà les annonces de la semaine. Que Dieu continue de nous venir, que Dieu nous fortifie. Nous nous préparons pour recevoir maintenant ce que Dieu a mis dans le cœur de mon cher époux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est là. Dieu est avec toi. Alléluia. Aidez-moi à prêcher. Si je dis, si Dieu est pour nous, un petit peu, si Dieu est pour nous, tu peux le dire plus fort. Si Dieu est pour nous,
Alléluia. Avant de commencer, je vais faire une chose. Tu sais qui croit que Jésus-Christ est mort, je vous demande de faire une minute de silence. Non, ça ne marche pas. Tu crois que Jésus-Christ est vivant? Oui. Tu crois qu'il est là? Oui. Et pourquoi tu ne l'acclames avec toute la force? Alléluia! Allez, allez, il est vivant, il est vivant, il est vivant! Il est vivant, alléluia! Et si il est vivant, quelle que soit votre situation, en ce moment, il peut vous surprendre en faisant de nouvelles choses dans votre vie. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Et si il est vivant, tu es vivant aussi. Alléluia. Gloria a Dieu. Bon, je vais commencer à faire une petite vidéo. C'est drôle la vidéo. C'est... Et après, on commence. Nous, les bébés, devons faire face à une crise. Oh non, c'est terrible. Horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est plus simple si je vous montre. Teddy, tu veux bien? M'envoie le spectacle. Oh. Timbo, viens à la lumière. Voyez-vous, les bébés ne reçoivent plus autant d'amour qu'avant. Pourquoi? Voici nos plus mortels ennemis. Les chiots. Oh. Non, non, c'est justement ça le problème. On est en guerre. Les chiots sont en train de gagner et les bébés de perdre. C'est affreux. C'est pas bon, bébé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez m'aider. Génial. Trop bien. Vous êtes au top, boss. Youpi. Ouais. Bon, vos parents travaillent tous pour Tutuko. Alors, avez-vous appris quelque chose de... Oui, chef. Et comment? Génial. Les triplets, à vous. A, B, C, D. Non, qu'est-ce que vous avez appris au sujet du nouveau chiot? Ouais, j'aime les chiots! Non, Jimbo, les chiots sont des démons. Stacy, relis tes notes. Je sais pas lire. Ça dit quoi? C'est ça, mon équipe? Un malabar sans cerveau, une bande de béni-oui-oui et une gribouilleuse? Exactement, affirmatif, bien vu. Ce cookie, tout de suite. Les cookies, c'est pour les gagneurs. Les parents! Oh, c'est comme s'il faisait une petite réunion. La vache, c'est trop humiliant. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo, mais à la fois bizarre. Parce qu'on vient de voir quelque chose de bizarre maintenant. Un homme qui habite dans l'école d'un bébé. Et plus, il est un leader qui veut recruter des autres bébés pour une super mission. Et c'est rigolo, mais ça reste inefficient. Ce bébé n'est pas normal. Et dans l'autre sens, ça serait aussi choquant de voir un enfant avec le physique d'un homme. Ça n'est pas normal aussi. Parce que le processus naturel de la vie pour tous les êtres humains consiste à naître, grandir, se reproduire, puis mourir. Et tant que chrétien, on pourrait se demander quel est le lien entre le processus naturel de la vie et le processus de notre vie spirituelle. La Bible nous dit que lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, il devient une nouvelle créature parce qu'il est né de nouveau, de l'eau et de l'esprit. Et en conséquence, il entre dans le royaume de Dieu. La première chose donc qui se passe est que nous naissons de nouveau. À partir de cette nouvelle naissance, nous commençons notre processus de croissance. Et ce n'est qu'après avoir grandi que nous pouvons donc nous reproduire. Des fois, nous voulons courir avant de marcher et accélérer le processus. Nous voulons nous reproduire avant de grandir. Mais dans l'ordre de Dieu, à la fois naturel et spirituel, il faut passer par toutes les étapes. Il faut tout d'abord grandir. Lorsque Jésus était sur la terre, il a vécu sous ses principes.
L'évangile de Luc, chapitre 2, 52, nous dit que Jésus croissait in en sagesse, de en stature, 3 en grâce. Tout d'abord, devant Dieu et devant les hommes. Jésus même s'est soumis au processus du Père avant d'accomplir son ministère. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager sur ce sujet avec vous, sur le sujet de la croissance spirituelle. Alléluia. Je vous invite à voir ensemble 3 principes simples qui nous aident à continuer de grandir spirituellement, étant donné que nous grandissons tout chaque jour, même si nous en rendons pas compte. Alléluia. Nous allons voir tout d'abord, avant de parler de ça, des principes que je vais partager, nous allons voir tout d'abord ce que n'est pas la croissance spirituelle. On va partager tout d'abord ça et après on continuera. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec le temps que nous avons visité une église. Nous pouvons passer de nombreuses années dans l'église et rester des enfants spirituels. 2. La croissance spirituelle est indépendante du savoir. Nous devons faire attention à ne pas penser que nous sommes des chrétiens adultes parce que nous avons reçu des diplômes de grandes études bibliques. Malheureusement, et dans la plupart des cas, le savoir nous rend la tête grande. Plus on apprend, plus on s'éloigne de la simplicité des enseignements de Jésus. Et parfois, on a même envie de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Oui, Seigneur, tu as vieilli, tu ne connais pas comment marchent les choses maintenant. C'est comme ça qu'on doit faire. Parce qu'on connaît beaucoup. Alléluia. Je vais faire une petite parenthèse. Parce que je ne suis pas contre les formations théologiques ou d'autres choses, non? Mais je parle du danger de déposer notre cœur, notre identité sur le fait d'avoir reçu une certaine formation. Et qu'en fin de compte, si on ne met pas en pratique ces connaissances, ça sert à rien. Troisième, la croissance spirituelle n'est pas synonyme de beaucoup de travail dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas exactement un signe de croissance spirituelle, mais c'est plutôt un acte de gratitude pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous, le service à Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous engager dans le service à Dieu, mais le plus important pour lui, c'est notre croissance spirituelle. Alléluia. Bon, j'ai fait une remarque aussi, parce que ce que nous venons de voir maintenant est le complément de notre croissance. Venir à l'église, connaître de Dieu, tout ça, c'est un complément de notre croissance. Ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas les signes d'une maturité spirituelle. Après avoir écouté cette petite liste, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que la croissance spirituelle? Ce n'est rien d'autre que la pratique quotidien de vouloir ressembler au Christ et de lui obéir. En d'autres termes, abonder dans les fruits du Saint-Esprit. Le livre de Galates, chapitre 5, verset 22,
dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais ce qui m'attire beaucoup de ce texte, c'est que Paul dit que contre ces pratiques, il n'y a pas de loi. Écoute, contre ces pratiques des fruits de l'esprit, il n'y a pas de loi. Ça veut dire que personne ne peut t'accuser. Si on pratique ça, personne ne peut t'accuser. Il n'y a pas de loi contre toi. Parce que tu vis les fruits de l'esprit dans ta vie. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on trouve un jeune homme qui est un paradigme pour moi. Il s'agit de Daniel. La parole raconte que Daniel, derrière de Daniel, il y avait 100 bandes. Écoute, 100 bandes. Satrapes. Que chercheraient une occasion d'accuser à Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. 120 personnes. Si Daniel sortit à la supermarché, ils sont là. Si Daniel sortit à la rue, ils surveillaient Daniel. 120 personnes pour trouver quelque chose négatif dans la vie de Daniel. Ça dit ainsi. Daniel, il sait que concerne les affaires du royaume, mais il ne pourrait trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et comme à percevoir chez lui ni faute ni rien de mauvais. C'est incroyable ça. 120 personnes surveillaient Daniel. Il n'a pas trouvé rien sur la vie de Daniel. Bueno, ma femme m'a dit que c'est parce que Daniel, il est célibataire, il n'a pas marié. Ça serait le problème. Alléluia. Les autres remarques contre lui étaient qu'il priait son Dieu trois fois par jour. Epa, ça c'est bon. Même au milieu de la crise, avec son regard fixé sur Dieu et non sur les circonstances visibles. Le livre de Corinthiens nous dit, ça commence à chauffer, écoute, ça c'est bien parce qu'on commence à rentrer dans les principes qui nous vont aider à grandir spirituellement. Écoute, le livre de Corinthiens dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et le même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Tu le crois? Alléluia! Car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent produisent. Alléluia. Produisent, alléluia, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça, alléluia. Allez. C'est mieux, c'est mieux. Alléluia. Je suis perdu, mais non. La gloire, c'est la gloire. Parce que, nous regardons non point aux choses visibles. Écoute. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle de regarder au-delà de ce qui est devant nos yeux. Il nous encourage à développer une vision spirituelle. Tu peux répéter avec moi vision? Tu peux répéter un petit peu plus fort vision? Aide-moi à prêcher parce que sinon je me déprime. Vision? Développer une vision. Hein? Spirituel. Ça, c'est le premier. Vision
espirituel. Aleluya. Y así, o así le premié para siempre. Y chánteme, ¿no? Y le contan. Y le monté, sí, para que y empiece de primero y de san. Escute. Le premié para siempre. Sé que no, ne guayón pa, es plus real. Que sé que es de van, no sié. Y él le repite. Sé que no, ne guayón pa, es plus real que ce qui est devant nos yeux. Vision spirituelle. Si on a la vision spirituelle, nous avons grandi spirituellement. Si on regarde les choses de l'esprit, on va grandir dans l'esprit. C'est la première chose, vision spirituelle. Dans le chemin de Maus, il y avait deux disciples avec Jésus-Christ. Il ne savait pas que c'est Jésus-Christ. Il parlait avec lui, mais il ne savait pas que c'est Jésus-Christ. Il parlait avec lui. Et après Jésus-Christ, il a crassé, c'est dit, crassé le pain. Et quand il a fait ça, boum, les cieux sont ouverts. Et ah, c'est Jésus-Christ. Mais il manquait la vision. Quand nous portons la vision spirituelle, on commence à regarder mieux à Jésus-Christ. Et on voit à Jésus-Christ dans toutes les choses que tu fais. Tu dis, c'est Jésus-Christ qui est là. Dans ce moment difficile, c'est Jésus-Christ qui est là. L'apôtre Paul a dit, je suis en prison par Jésus-Christ. N'est pas pour les Romains. Il a dit, par Jésus-Christ, c'est lui qui m'a mis ici. Parce qu'il y a un projet de Dieu pour moi ici. Alléluia. Vision spirituelle. Quoi? Spirituelle. Ça m'inspire. Vision spirituelle. Alléluia. Ça, c'est la première chose que dit, vision spirituelle. Cette pratique a aidé à Jésus-Christ dans le moment difficile. Écoute, Jésus-Christ, il était à Gethsemane. Et les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, ils sont venus pour le prix. Gethsemane, il parle avec les disciples, et tout à coup, tout le monde est rentré. Je m'imagine que l'atmosphère s'était chargée dans ce moment. Et quand tout le monde est rentré, la parole dit que un de ceux qui était avec Jésus étendit les mains et tira son épée. Il n'est pas pour jouer. Et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Et lui a coupé l'oreille. Gracias a Dios que él esté a ver Jesucristo. Si no está si no para la y le cupe la tete. Me ejecute. Y le cupe la oreja. Me, alor, Jesús, lui di, reme ton epé a sa place. Y imagina que la víctima di, se antipetar, se antipetar, pulsa. Jésus-Christ a dit, remets ton épée à sa place. Ah, ça, c'est très tard maintenant. Je pense qu'il a dit, écoute Jésus-Christ, je te donne mon oreille, tiens. Je te donne un cadeau. Car tous ceux qui prendront l'épée, écoute, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus-Christ a donné un principe ici. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Écoute, maintenant Jésus-Christ commence à parler du monde spirituel. Écoute, pensez-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait, écoute, à l'instant plus de 12 légions, alléluia, d'anges. Ça, c'est le pouvoir. Il est content. Jésus-Christ a dit ça, le monde spirituel. Il y a des personnes qui étudient la parole qui sont dit que c'est de Pierre qui a fait ça, qui a coupé l'oreille de l'autre personne. C'est pour cela qu'après, dans le Nouveau Testament, quand Pierre il était délivré pour les anges, il a dit, mais non, je comprends ce que Jésus-Christ m'a dit en Gethsemane.
Il a dit, maintenant, je comprends que Dieu m'a délivré pour les anges. Alléluia. Écoute, écoute esto. Jésus-Christ, il était concentré dans le monde spirituel. Après, ça continue. Après, Jésus était... Et plus tard, Jésus était dans le tribunal devant Pilate. Il fait un rendez-vous avec Pilate. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici, va. Alléluia. Notre royaume, c'est supérieur. Tu le crois? Alléluia. Nous vivons dans un monde qui est soumis à l'influence démoniaque. Et malheureusement, bien que nous soyons des chrétiens, nous ne sommes pas en dehors de cette influence. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos yeux spirituels pour réaliser ce qui se cache derrière les circonstances et les personnes qui peuvent nous faire du mal. Mais si nous ne le voyons pas, nous devons regarder parce que ce monde est influencé par Satan tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le livre d'Éphésiens collabore ça. Le livre d'Éphésiens parle de ça. Le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 6, dit « Oh, restez fortifiés, vous, dans le Seigneur. » Après, dit « Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armées de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les justes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, il parle de clair, contre la chair et le sang, mais contre les dominations in, contre les autorités de, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre l'esprit méchant dans le lieu céleste. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste, dans l'atmosphère. Il y a une influence négative de l'ennemi dans l'atmosphère. Et c'est pour cela que Paul dit ça. Fortifiez, alléluia, vous dans le Seigneur. Parce que notre Seigneur, c'est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia, tu le crois? Alléluia. Mais écoutez ça, écoutez, c'est intéressant. Paul parle de la guerre spirituelle. Il parle de que notre guerre n'est pas contre la chair. Mais si nous regardons les chapitres d'avant, les chapitres saints, tu peux les lire à ta maison après, les chapitres d'avant, l'apôtre Paul parle de la nouvelle vie en Christ. C'est pour cela que connaître le monde spirituel et ouvrir le ciel de Dieu nous va aider à grandir spirituellement. Il a dit, mira, Paul parle de la, parce que dans le chapitre précédent, il parle de la nouvelle vie en Christ. Et il donne des conseils aux couples, aux parents, aux enfants, aux patrons et aux serviteurs. Le livre d'Éphésiens nous donne des conseils que nous pouvons faire. Il donne des conseils aux parents. Il donne des conseils aux enfants, il donne des conseils aux patrons, il donne des conseils aux serviteurs. Que doit faire chacun? Et après, ça nous montre qu'ils sont utiles pour développer des relations saines avec les autres. Tout ça parle de relations. Parents, les enfants, le travail, il donne des conseils de ça. Ça nous aide à grandir dans la relation saine avec les autres. Et après, Paul parle du monde spirituel. Il commence à parler de relation, il commence à parler du rôle que chacun doit vivre, non, dans sa vie. Et après, il parle du monde spirituel.
Il dit, notre guerre n'est pas contre chair, n'est pas contre les personnes. Si quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, nous devons regarder derrière. Nous devons regarder qu'il y a derrière de ça qui est venu à travers de ces personnes. Et ça nous va aider à être concentrés dans le monde spirituel. Et ça nous va aider à grandir spirituellement. C'est mieux, hein? C'est mieux. Merci. À grandir spirituellement. Ce verset nous aidera dans notre chemin, dans la croissance spirituelle. Ouvrir les cieux spirituels. N'est pas la personne, c'est le diable, c'est le démon qui utilise de temps en temps les personnes. Bien, merci, pour t'empêcher. Nous devons ouvrir notre ciel spirituel. Ça, c'est le premier principe que peut nous aider. Je le monte. Il est le premier, non? Ya, allez. Merci, merci. Ça, c'est le premier principe qui peut nous aider à grandir dans l'esprit. Si nous concentrons notre attention sur les choses de la chair, nous grandirons dans la chair. Si nous recherchons ce qui est de l'esprit, nous grandirons spirituellement. Alléluia. Et cette transformation arrive de façon naturelle. En d'autres termes, il ne faut pas forcer notre croissance. Elle se développe dans le temps de Dieu et selon le processus qu'il a prévu pour chacun de nous. Normalement, lorsque un enfant naît, les parents ne le prennent pas par la tête et les pieds. Ils commencent à le tirer. Imaginez les enfants. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Mon parent n'est pas bien. Pour qu'ils puissent grandir. Ce n'est pas le mécanisme. Ce qu'ils font logiquement pour que les enfants grandissent, c'est juste les nourrir. C'est juste les nourrir. En effet, une des plus grandes satisfactions d'une maman est que son enfant mange et qu'il mange correctement. N'est-ce pas? Je crois que nous avons entendu des phrases telles que « Tu ne vas pas grandir si tu ne manges pas la salade. » C'est comme ça. Tout le monde... La soupe. Si tu ne manges pas la soupe, tu ne vas pas grandir. Tout le monde a entendu ça. Parce que le plus important, c'est manger la nourriture. Plusieurs fois, nous luttons avec notre propre force pour grandir spirituellement. Et nous ne nous rendons pas compte que le plus important est d'analyser ce dont nous nourrissons. Ça, c'est le plus important. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons et regardons chaque jour. Car aujourd'hui, nous sommes les résultats de ce que nous avons lu, écouté et regardé. Et nous serons demain les résultats de ce que nous regardons, lisons et écoutons aujourd'hui. C'est comme ça, c'est une loi. Ça ne change pas. C'est pourquoi nous ne devons pas nous battre pour grandir. Car la croissance spirituelle est un résultat. Voici le deuxième principe. Lorsque la Bible parle de croissance, elle l'associe à la nourriture spirituelle. Il est grand, mais non. Le livre d'Hébreux, chapitre 5, dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Relation, nourriture, homme fait. « Pour ce dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Souvent, nous luttons contre nos faiblesses et essayons de changer par nos propres forces. Sans nous rendre compte qu'on ne peut pas produire quelque chose de contraire à ce dont on se nourrit le plus.
Je vous donne un petit conseil. Si vous avez du mal à arrêter, par exemple, de fumer la cigarette, quelle condition de fumer, si vous avez du mal à arrêter de fumer, ne vous concentrez pas sur le fait d'arrêter, mais concentrez-vous sur le fait de surmonter l'anxiété que vous posez à fumer. Comment on peut faire ça? Vous pouvez lire tous les textes bibliques qui parlent de paix et chercher des livres au sujet de la paix. Vous pouvez également regarder des films, des sermons, écouter des chants qui parlent de la paix. Alléluia. Tu commences à manger paix, 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 paix. Et après, l'anxiété va disparaître. Alléluia. Et la cigarette aussi. Alléluia. Tu vas lui dire, oh, ouais. Si vous êtes un esclave de la peur, ça dit comme ça? Si vous êtes un esclave de la peur, vous pouvez faire le même. Vous pouvez faire le même, pareil. Vous pouvez commencer à lisser de tout ça qui est, comment se dit, en kerouche, kurayan, qui peut être encouragé. Tu vas commencer à lisser tout ça qui peut être encouragé. Tu vas écouter tout ça qui peut être encouragé. Tu vas à regarder tout ça qui peut être encouragé. Tu vas faire ça. Tous les jours, manger. Et à un moment donné, tu vas grandir. Alléluia. Et si vous luttez contre les doutes, vous pouvez vous nourrir de la même façon. Lisez foi, écoutez foi, regardez foi. Alléluia. Tout le temps, tout ça concernant à la foi. Mangez foi. En conséquence, vous allez commencer à transpirer la foi. Alléluia. Et regarder avec foi. Et vivre avec la foi. Alléluia. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, si vous nourrissez votre foi, vos doutes vont mourir de faim. Alléluia. Ainsi de l'abondance de notre cœur, notre bouche parlera. Alléluia. Et cela nous amène à le troisième principe. Proclamez la vérité de Dieu. Le troisième principe. Proclamez la vérité de Dieu qui est écrit dans la parole. La première vision spirituelle. Ouvrir la vision. Ouvrir ta vision spirituelle. Le deuxième, nous devons nous nourrir tout le temps. Dans les points faibles, nourrir ces points faibles. Et le troisième, proclamer la vérité de Dieu. Lorsque tu ouvres ta bouche et tu proclames la vérité de la parole de Dieu, c'est toi-même le premier bénéficiaire, car c'est toi-même le premier à entendre cette parole. Tu parles la parole, tu l'entends, ça rentre et après tu la parles. Tu l'entends, ça rentre et après tu la parles de nouveau. Et ça commence à t'aider à grandir spirituellement, parce que c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit que sa parole sont esprit et que son vie. La parole de Jésus-Christ est son esprit et vie. Si la parole de Jésus-Christ son esprit et vie, tu seras vivant dans ton esprit. Alléluia. Et tu vas grandir dans l'esprit. Alléluia. Je vais te parler d'un secret du monde spirituel. Je vais descendre parce que je commence à... Je vais te parler d'un secret du monde spirituel. Le diable ne parle que de soi-même. Le diable, quand il parle de soi-même. C'est-à-dire, il parle en première personne de singulier. Quand le diable parle, il parle en première personne de singulier. Le livre de Jean dit, Jésus a dit, il était meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, quand l'ennemi te chuchote à l'oreille, il te dit, par exemple, je vais mourir. Il travaille comme ça. Le diable ne te dit pas, tu vas mourir.
Parce que tous les seres humains aiment la vie. Il va parler en singulier. Il va s'approcher à ton oreille. Il te va dire, je vais mourir. Je vais mourir. C'est ça comme il travaille. Je vais mourir. Et ça commence à travailler dans ton cœur. Parce qu'il parle en première personne. Ou il te dit, je ne sais rien. Il te dit, ou bien, je ne vais pas réussir. Il te dit, je ne changerai jamais. Tout ça, il te le dit à l'oreille. Comme si c'est toi-même. Mais n'est pas toi, parce que Dieu t'a créé pour faire de bonnes choses. Alléluia. Ça n'est pas toi, ça c'est lui. Alléluia. Tu peux lever la main, tu peux lever la main avec moi. Tu peux lever la main. Et tu peux dire, diable. Un petit peu. Diable. Sors. Un petit peu plus fort. Diable. Sors. Un petit peu, mais un petit peu de guerre. Diable. Alléluia. Sors. Quand il te parle lui-même. Je ne peux pas, tu ne peux pas. Je ne vais pas réussir, il parle en nombre propre. Pour te tromper, il commence à travailler dans ton cœur. Tu penses que c'est toi, mais n'est pas toi. C'est lui. Dans le moment qu'il te dit, pourquoi? Parce qu'il parle de lui-même. Écoute, pourquoi le diable te dit, par exemple, je ne changerai jamais. Je ne changerai jamais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui ne va pas changer jamais. Il essaye de te transmettre sa propre vie. Tu vois, il enseigne et te transmet ça qu'il vit maintenant. Si le diable te dit, je vais mourir, c'est parce qu'il connaît qu'il est condamné à la mort. Alléluia. Et il veut que tu penses le même, mais n'est pas toi, c'est lui. Quand il te dit, tu veux mourir, c'est parce que lui, il va mourir. Quand il te dit, je ne sers à rien, c'est parce qu'il savait qu'il n'est rien. Quand il te dit, ou bien, je ne vais pas réussir, c'est pour qu'il savait qu'il ne va pas réussir. Il est condamné. Il essaye de transmettre ça à toi. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Non! Dans ce moment qu'il te dit, tu ne vas pas réussir, tu vas le dire, diable, je peux tout en Jésus-Christ qui me fortifie. Alléluia! Proclame la parole de Dieu. Proclame la vérité de Dieu. Monte, proclame la vérité de Dieu. Parce que c'est le même diable qui veut te mettre dans sa tête. Mais n'est pas toi. Dans ce moment, tu vas dire tout le contraire. Alléluia. Mais écoute, autre secret important. Comment le diable ça connaît que sa parole qu'il t'a donnée progresse en toi. Comment il savait ça? Écoute, Dieu connaît ce que tu penses. Mais le diable, non. Dieu connaît tout ce que tu penses. Mais le diable ne connaît pas ça. Le diable, il te parle à l'oreille. Je ne changerai jamais. Et tu restes, je ne changerai jamais. Et après tu continues, je ne changerai jamais. Je suis comme ça, je ne changerai jamais. Je ne vais pas réussir, je ne changerai jamais, tu commences. Et le diable, il ne connaît pas ce que tu penses en ce moment. Il te surveille pour voir. Si ça qu'il a mis dans ton cœur, progresse. Parce qu'il ne savait pas. La única manera que le diable sait, connaît ce qu'il a mis dans ton cœur, c'est quand tu le proclames avec ta bouche. Quand tu le dis, il connaît, il dit, ah, ça marche. Ça marche, mon travail. Je travaille très bien maintenant. Ça va très bien, ça marche, parce que tu l'as dit avec ta bouche. Il y a un moment que tu dis, je ne vais pas changer, je ne vais pas réussir. Et Dieu le dit, ça y est, ça c'est l'idée. C'est que j'ai mis dans son cœur, mais non, ça marche. C'est pour cela que nous devons proclamer la vérité de la parole de Dieu. Nous pouvons penser des choses négatives. Écoute, nous pouvons penser des choses négatives. Mais nous devons proclamer tout le contraire. Autre piège de l'ennemi, c'est que quand nous pensons quelque chose de négatif, l'ennemi te dit, tu ne peux pas penser ça. Tu es un chrétien. Comment tu vas penser tout ça? Dieu s'est éloigné de toi. Dieu n'est avec toi parce que tu as des pensées négatives. Tu as des pensées impures.
tu as des pensées qui ne sont pas pensées de la parole de Dieu. Et le diable te dit, tu ne vas pas bien. Et tu commences à travailler. Et après, tu dis, bueno, si j'ai les pensées, je vais les faire. Et ça, c'est une façon pour laquelle nous péchons. Parce que nous pensons quelque chose de négatif, quelque péché, et après, le diable te dit, tu ne peux pas penser ça, et tu dis, bon, si j'ai pensé ça déjà, je vais le faire. Je vais pécher. Mais c'est une mensonge de l'ennemi. Tu peux penser des choses négatives, mais tu dois proclamer la parole de Dieu. Malgré ces pensées qu'il y a dans ta tête, tu dois proclamer ce que dit la parole de Dieu. Alléluia! Si tu commences à penser des choses impures, ça dit? Comment? Impures. Si tu commences à penser des choses comme ça, tu peux dire, je suis saint parce que mon Père est saint. Alléluia. Et tu changes la parole. Si tu commences à penser des choses négatives, tu peux dire, Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu commences à changer. Si les pensées sont négatives, tu proclames la parole de Dieu. Et ça va changer la morphée dans ta vie spirituelle. Alléluia. Tu vas commencer à parler parole de vie et non parole de mort. Parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Change ta manière de parler. Si tu changes ta manière de parler, malgré les pensements qu'il y a dans ta tête, ça va changer la morphée. Ça va changer ta vie spirituelle. Et tu vas commencer à grandir. Spirituellement. Alléluia. Le diable veut t'empêcher avec les pensées. Mais nous devons proclamer la parole de Dieu dans ton moment. Lorsque tu répètes des pensées négatives, le diable les découvre et il gagne du terrain dans votre vie. Alors ne répétez pas ce que vous ressentez, mais répétez ce que vous croyez. Alléluia. Proclame la vérité de Dieu. Corinthiens dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Nous devons parler la vérité de la parole de Dieu. Ça nous va aider à grandir dans l'esprit. Ça nous va aider à changer la manière de penser. Et on va gagner à l'ennemi. Les résultats de croire la vérité de la parole de Dieu nous poussent à la proclamer et la proclamer produit en nous plus de foi et ça va commencer à grandir. Ça sera un cycle. Ça sera un cycle. Dieu veut que nous puissions grandir. Tout d'abord, c'est bien ouvrir notre cieux spirituel. Deuxième, c'est bien nous nourrir. Ces points faibles qu'il y a en nous, c'est bien que nous commençons à... Ça va venir seul. Ça va venir seul. Les personnes qui regardent beaucoup de films de guerre, ils finissent... Ah, la guerre. Oui, c'est comme ça. Les personnes qui regardent beaucoup de feuilletons de drama... Mon amour, je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Les personnes qui regardent des feuilletons comme ça, ils n'aiment pas. Les personnes qui regardent des feuilletons comme ça, à la fin, ils vivent dans ces noyés. Ils se pensent qu'il est un artiste, ils salent à la rue comme un artiste. Parce que les personnes qui regardent la science-fiction aussi, se croient pues, qu'il est Superman, Spiderman, ne sais pas. Tu sais qu'on regarde et écoute à la fois. Tu vas produire ça. Ça vient seul. Ça vient seul. Si tu es avec un voleur, tu vas finir voleur. Si tu es avec, je ne sais pas, quelque chose de négatif, tu vas finir comme ça. Mais si tu commences à parler la parole de Dieu, et si tu commences à regarder Jésus-Christ, à ver le ciel spirituel, tu vas commencer à regarder comme Christ, à penser comme Christ. À marcher comme Christ, à méditer comme Christ. Alléluia. Parce que ça vient seul. La parole de Dieu dit que n'est pas avec notre force. C'est avec l'esprit. N'est pas notre force. On ne peut pas changer. C'est l'esprit. Nourrir, manger. Je pense que Dieu dans le ciel, il dit, avec coucou, ouvre la bouche,
Ah non, non, papa. Parce qu'il veut que nous mangions. Et le troisième, proclame la vérité, la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Jairo l'a dit à Jésus-Christ, ma fille est malade, mais si tu viens avec moi, elle va se lever. Tout ça, il était chaud. Ma fille est malade, mais si tu viens avec moi, ça se fait, ça va marcher. Il a fait ça. Après, il y a des circonstances difficiles. La femme qui était, comment ça s'appelle, la perte de sang. Dime ça, porque así parle todo el mundo. La perte de sang. Él es venu, il s'est traversé dans le chemin. Y Jairo, il perd de temps. Imagina que Jairo regardé la montre. Jesús, s'il vous plaît. Allez, Jesús venu primero. Jesús. Écoute, hay un detalle importante. La femme qui a perdu de sang, il avait 12 ans. 12. 12 avec ça. La fille de Jairo, elle avait 12. 12 ans. C'est curieux ça. Mais Jésus-Christ, après que la circonstance a changé, est venu quelqu'un. Ya improvise maintenant, je ne sais pas si tu me comprends, mais Jésus, après que la situation a changé, quelqu'un est venu, il a dit, fini, ta fille est morte. Fini, laisse tomber. Dis à Jésus-Christ que part à sa maison parce que, fini. Qu'est-ce qu'elle a dit Jésus-Christ à Jairo? Ne crains pas. Crois seulement. Parce qu'il savait, il s'est appuyé sur la parole que Jairo a dit avant. Il a dit, si tu viens avec moi, je sais qu'elle sera guérie. Alléluia. Proclame la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Et ça va produire, alléluia, un changement dans notre esprit. Alléluia. Nous avons grandi dans l'esprit. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Je vais finir. Comme conclusion, je voudrais te laisser en forme de conseil les trois principes que nous venons de voir aujourd'hui. Premier, ne regarde pas ce que tout le monde regarde. Je répète, ne regarde pas ce que tout le monde regarde. Deuxième, ne mange pas ce que tout le monde mange. Troisième, ne parle pas ce que tout le monde parle. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à grandir. Et de cette façon, nous arriverons à notre but final. La mesure de l'estature parfaite de Christ. Ça, c'est notre but. Ça, c'est notre but. Mais tu peux le faire. Dieu t'a donné la capacité pour le faire. Dieu t'a donné la capacité pour grandir spirituellement. Alléluia. Parce que lui, il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu le crois? Alléluia. Tu le crois? Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'enlever, s'il vous plaît? Alléluia. On pouvait s'enlever pour finir. Je vais prier maintenant. Bon, et après, si quelqu'un veut prier personnel, quelque prière particulière, on peut se voir là-bas, dans le coin. Dieu veut que nous puissions grandir. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions parce que tu es bon et tu es avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu as un projet pour nous. Et nous savons que tu finis, tu sais que tu commences. Aide-nous à grandir. Spirituellement, Seigneur. Aide-nous à grandir, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Nous proclamons ta bénédiction, Seigneur. Nous proclamons un changement dans notre vie, Seigneur. Nous proclamons que nous pouvons grandir, Seigneur. Que nous pouvons changer, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta victoire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, mais non. Merci pour tout ce que tu feras, alléluia. Et nous, pour nous et à travers de nous, Seigneur. Alléluia. Nous déclarons ta victoire, Seigneur. Alléluia. Parce que si tu es pour nous, qui sera
contre nous, Seigneur. Alléluia. Nous te acclamons aujourd'hui, Seigneur. Et nous le montrons au diable que nous sommes plus que vainqueurs. En ton nom, alléluia. Tu peux acclamer plus fort, Seigneur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Hey! Alléluia. 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 Oh, merci. À vous, merci d'avoir chanté aussi fort, c'était vraiment agréable de vous entendre encore une fois. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée, rentrez chez vous, faites attention sur la route, et pour ceux qui ont besoin de la prière, n'oubliez pas l'espace Oasis, on vous y attend, et bonne fin de journée. Au revoir.